Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 127 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Karateka. Karateka, c'est une sorte de remake d'un jeu qui est beaucoup plus ancien qui s'appelle Karateka aussi. Et donc on va y jouer. Alors, c'est parti. Donc on va regarder les options déjà. Il n'est pas en français mais ça gêne pas du tout. La résolution, on la laisse comme ça parce qu'elle est déjà au maximum. Donc bah du coup ben il y a une bande noire mais c'est pas grave. Voilà, j'écrase la partie que j'avais avant. Alors là c'est l'histoire mais bon, on a de la peine à comprendre puisqu'on n'est pas anglais, donc je l'enlève. Et puis voilà. Et nous voici. Alors c'est parti. Alors c'est un jeu où on contrôle pas tellement grand chose. On avance et on va se battre. Alors c'est parti. Hop. Je bloque. J'attaque. Je connaissais déjà un peu les touches. J'y ai joué un petit peu avant. Ouais, parce qu'il vaut mieux d'ailleurs jouer un petit peu avant. Parce que sinon ça va être compliqué. Surtout les touches qui sont pas évidentes dès le début. Alors je bloque avec D. Et je contre-attaque. Et il y a qu'en bloquant que je vais pouvoir attaquer le mec. Donc là, à chaque fois qu'il met des couches, bah là je perds pas de vie pour l'instant parce que j'en ai pas. Pas vraiment, c'est un peu le début. Hop, on lui met des peignes, pouf, il meurt. Et par contre, après, on aura de la vie. Donc ça va être plus intéressant après. Pour l'instant, il n'y a que l'ennemi qui a de la vie, on voit sa vie en rouge. Je pense que vous l'aviez deviné. Putain, je me fais attaquer. Là, il me dit bloquer tout early, ça veut dire que j'ai bloqué trop tôt. Hop, 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 hop. Ou trop tard. Early. Early, je sais plus comment c'est. Je suis pas très fort en anglais, voilà, je bloque l'attaque, tac. Et voilà. Donc les graphismes sont jolis, même si bon, on va pas tellement loin. Alors ça c'est une potion. Je crois que c'est une potion. Ah non, c'est une fleur. Donc voilà, alors oui, donc c'était une fleur qui me redonne de la vie. Bon, c'est le principe de la potion, mais nous on est plus nature. Alors c'est parti, maintenant on a de la vie, donc il va falloir faire attention. Hop, on bloque, on attaque, tac, tac, tac. Et on bloque. Ah non, raté. Je partout bloque. Ah non, toujours raté. Alors là c'est sur ça qu'on peut mourir, c'est que te faire trop se faire attaquer. Youp, il faut viser le bon moment en fait. Le bon moment où il va nous attaquer. Ah non! Partout bloc. Allez, non, putain, il n'y arrive pas. Non, toujours pas. Je vais peut-être mourir. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Hop, hop, hop. Et hop là. Et il est mort. Lui, il se réveille. Ah, par contre, ma vie est pas au top. Va falloir que je fasse très attention de pas crever. Allez, hop, bloqué, bloqué. Allez, dans ton tête. Tac, 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 tac. Alors voilà, je peux plus l'attaquer. Hop, hop, bloqué. Dans ta face, ouh, il m'a rien mis du tout. Perfect fight. Donc là, il y a une petite fleur pour me redonner de la vie. Hop là, ouh, ça donne pas mal de vie ça. Un nouvel ennemi. Alors, you pour le bloc, choup, et là, c'est une attaque spéciale. Là. Ce que j'ai fait, c'était une attaque spéciale, c'était parce que mon chakra était au taquet. Alors, j'ai fait mon attaque normale et en plus de mon attaque spéciale, donc il a perdu pas mal de vie. Le chakra, c'est ce qui monte à gauche de notre barre de vie. Une sorte de petit chakra, j'appelle ça comme ça. Hop, et voilà. Quand on gagne des victoires ou des trucs comme ça monte. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on continue, il y a un oiseau. Alors, youp, attaque. Ouh, il nous a fait mal au ventre. Hop, 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 hop. Ah non, non. Je suis déjà dans le rouge là. Oh non, il va me mettre KO. Hop, attends, je l'ai contré.
Je vais presque y arriver. Non, il faut pas qu'il m'attaque trop. Allez, allez. Non. Voilà, c'est bon. J'ai cru qu'il m'avait tué, mais non. Hop, alors, de les fleurs encore. Chou. Ça va mieux. Le pouvoir des fleurs, flower power. Allez. Youp. Alors, lui, il fait mal, par contre. J'aimerais bien le bloquer, s'il vous plaît. Non, pas comme ça. Oh, il a craqué l'attaque. Tac, tac, tac. Yop. Ouh, il fait mal dans le dos, en plus. Il tape dans mon dos. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi cette attaque? J'arrive pas à la bloquer. Hop, hop. Oui, allez, crève. Salio. Putain, il reste qu'une barre de vie, là. Non. Allez, il faut juste que je lui remette un coup. Ah non, bah non. KO. Alors là, en mourant, du coup, on prend le rôle du moine qui était en train de monter en même temps. Alors je me demande si c'est pas fait exprès, si on n'est pas mort un peu exprès, parce qu'on regarde, on a affronté le même garde là. Et il y a eu une animation sur lui. Alors soit c'est une animation qui a été générée, soit c'est une animation qui était prête, et donc on ne pouvait pas gagner contre ce garde. Ça m'étonnerait quand même qu'il nous oblige à perdre. Donc c'est peut-être un jeu qui est très bien fait, sûrement. Et qui génère lui-même les cinématiques et les petits ralentis comme on a vu. Hop là, alors, bah, je l'ai tué en quelques secondes lui. Ça aura pas duré. Ça fait 6 minutes de jeu déjà. Il me marque le temps en haut à droite. Là, lui, enfin là, on le voit pas. Voilà. Yop. Il y avait marqué le temps. Pourquoi il y avait marqué le temps? Alors les attaques du moine sont un peu différentes. J'appelle ça un moine Shaolin, je sais pas comment c'est. Je sais pas comment ça peut s'appeler. Ouh, il est pas content lui. Ouais. Il a encore toute sa vie. C'est super. C'est un peu triché ça, je trouve. Je devais bien enlever la sienne et là il a récupéré toute sa vie. Ah, du coup moi j'en ai pas mal aussi, mais bon. Ouais. Yop. Ça fait mal, hein. Allez, crève, salopard. Il est costaud, hein. Il est bien baraqué. Ouais, bah en plus, je l'ai fait passer par-dessus la rambarde. On pourrait s'ennuyer quand même un bout d'un moment sur ce jeu. C'est vrai que là, je commence vraiment à m'ennuyer sévère. C'est pas pour... pour critiquer trop, mais c'est vrai que là, on s'emmerde. Alors là, un autre moine encore. Putain, c'est toujours la même chose. On fait toujours la même chose. Bon, c'est pas les mêmes moines. C'est pas les mêmes attaques non plus. Oh, attaque spéciale. Chouf. J'ai stun mon ennemi. Tac, tac, tac. Victory. 7 minutes 32. Il suffit peut-être que j'ai un temps limite pour sauver la petite femme là, mais je sais pas. Hop là. Ah ben, il y en a un autre. Youp. Bloop. Allez, j'avais bloqué les premières attaques, mais il en a fait plusieurs. Là, ils nous font des triplés d'attaques, quoi. Allez, je bloque la première, mais la deuxième... Ah, non. Allez, on bloque. Tac, tac, non. Que dalle. Il a rien bloqué. Yop, yop, voilà, ça y est. Oh, le pauvre. Oh, le pauvre. Allez, dans ta tête, dans ta tête. Oui, 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 voilà. Victory, plus 100. Oh, une petite fleur. Hop là, ma vie à fond, au taquet. Oh, encore un garde. Ça alors, un garde. À croire qu'ils se sont postés tous les 100 mètres pour... tous les 50 mètres, plutôt. Pour me casser les noix, quoi. Elle est bien protégée, la maison de l'autre, là.
On voudrait, je pense qu'il faut sauver en fait l'autre, la fille. Ou alors je sais pas, on a pas trop compris l'histoire, mais en même temps on n'a pas lu l'histoire en anglais. Il faudrait s'arrêter 2 minutes pour la lire. Voilà, je vais surtout présenter, bah du coup, pas l'histoire, pas trop. Ah, donc là il faut que je bloque l'oiseau. W. Prepare to for the next attack. Donc il arrive, attention, il faut que j'appuie sur D maintenant. Voilà, appuie sur A, hop. Ok, d'accord, bon bah. Ah, il revient. Hop là, saligo. Crève. Ça, il a attaqué que 3 fois, c'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouh, là, ça a l'air d'être un big boss celui-là, non? Il est dans un dojo, il a l'air un peu bourré, fatigué ou endormi, il vient de se réveiller. Mais il pète le feu. C'est parti, attaque de fou. Ouh, il a une barre de vie aussi grosse que la mienne. Ça va être short. Ouais, j'en ai déjà enlevé un quart, c'est bien. Allez, bloc, non. Bloque-moi ces attaques là. Ce big boss, il va pas faire mon feu. Ouh, attaque de fou. Waouh. Ah, c'est un tricheur lui aussi, regardez. Il a bu un coup. Ah, il a toute sa vie, il faut que je recommence. Ah, j'avais ma super attaque et tout en plus, c'était magnifique. Ah, le salaud, tu vas pas t'en sortir comme ça. Allez. Chop. Oui, il perd des gros morceaux de vie. Hein. Il fait pas semblant de perdre sa vie. Oui. Ah non, presque. Encore une fois. Je le bloque. Allez, attaque, bloqué, allez, t'es tué, t'es mort, il est mort. Et voilà. Et donc, bon, voilà, on va s'arrêter là, donc, pour Karateka. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé, ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.